Hey, salut tout le monde, c'est Dark. Aujourd'hui on se retrouve sur la snapshot 13W09C qui est sûrement une snapshot avant la sortie du jeu. C'est juste une correction de bug, mais je suis pas là pour faire la présentation. Vous avez sûrement dû voir dans le titre que c'est bois illimité avec des bateaux, et donc c'est parti pour cette petite astuce. Donc si vous jouez souvent à Minecraft, vous savez sûrement que si vous envoyez un bateau contre un bloc, le bateau se casse et vous récupérez vos sticks et vos planches. Vous savez aussi que si on l'envoie dans de la lave, vous récupérez le bateau. Et ce qu'on s'est demandé, c'est de savoir si, quand on envoyait sur de l'eau, enfin sur un bloc et sur de la lave en même temps, qu'est-ce que ça donnerait. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, vous récupérez le bateau, les sticks et donc le bois. Donc ça vous fait deux bateaux. Et on continue comme ça en fait hein. Vous récupérez toujours vos sticks, votre bois et votre bâton. Ça vous fait du bois et des bateaux en illimité. Donc c'est ce qu'a compris un jeune youtubeur américain qui a fait un système comme ceci, un système automatisé. Donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans la description de la vidéo. Donc vous voyez ce qu'il a fait, hein, c'est tout avec des entonnoirs et tout ça. Donc en fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Vous mettez un bateau ici, donc il est propulsé dans les entonnoirs là. Le dispenser qui est là le récupère et l'envoie dans l'eau. Une fois que le bateau a rencontré la lave et les blocs, vous voyez qu'en dessous de l'eau il y a des petits entonnoirs, des petits récepteurs. Donc les items passent dans les entonnoirs, les planches vont dans ce coffre, les bâtons dans celui-là. Donc là il y a 18 planches et 12 bâtons. Les bateaux retournent dans ce dispenser et ainsi de suite, ça fait des tours. Et au bout d'un certain temps, vous aurez vos coffres remplis de bois, remplis de bâtons. Donc le système de tri fonctionne avec des comparateurs. Et voilà. Donc on va mettre le système en marche. Devrait partir. Pourquoi est-ce qu'il part pas? Voilà. Tac, vous voyez le bateau qui part, les items qui se détruisent et le tri se fait. Le dispenser récupère les bateaux et les retire. Même si là il n'a pas bien l'air de les retirer. Vous voyez donc on a 16 bâtons, 24 planches et je vois pas pourquoi il veut pas partir. Il en a, je vais la récupérer. Donc, voilà, comme ceci, normalement. Et là, c'est bon, il est reparti. D'accord, parce qu'en fait il tire mal. Donc là le système il a pas l'air de fonctionner à merveille. La dernière fois que j'ai testé il fonctionnait parfaitement. Là je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est même pas du tout ce qui s'est passé. Enfin bon, ouais, peut-être que j'ai changé de version entre temps parce que j'étais pas en version C. Donc ça vient peut-être de ça. Enfin bon, ouais, donc vous voyez à peu près le système. Donc là vous voyez que les comparateurs sont en marche. Vous voyez que quand on va décoller. Voilà, donc là vous allez voir les. Voilà, ça clignote tout et c'est en train de trier les items. Et bien voilà, j'espère que cette astuce numéro 2 vous aura été utile et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Allez, salut!